Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Donc j'ai découvert il y a pas longtemps le type de vidéo qui s'appelle Unpopular Opinion. J'en ai regardé pas mal et je me suis sentie révoltée, persécutée. Et j'avais besoin de donner mon avis sur certaines choses moi aussi. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, on va rétablir quelque chose de très très simple. Les céréales, c'est avant le lait, ok? Tu mets pas ta sauce avant le riz? Ouais, ouais. Alors les gens qui utilisent le terme franchement faux cheveux, ils me dérangent mais à un point, genre c'est abusé en fait. On est en 2018, toutes les Renoirs elles sont là, elles se baladent, les tresses à l'air. Avant leur pépé, elle t'explique ce que c'est que une 360 lace wig, des braids, des mèches, une perruque, des boules de tissage, tout ça. Et toi, tu continues à utiliser le terme faux cheveux en fait. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est péjoratif. Donc, les gens qui utilisent le terme faux cheveux, vraiment, I'm over it. Les gens qui trompent encore en 2018, je suis désolée. Nous sommes dans une époque de liberté où on vous permet d'être des débauchards. Tu peux voir quelqu'un lui dire, lui faire part en gros de tes envies non assimilées aux relations de couple où on entretient une fidélité particulière envers son partenaire. Bam! Ouh, la langue de Molière là. Tu maîtrises ça. On vous permet en gros de faire les débauchards. Ça veut dire que tu peux parler à quelqu'un en français, lui dire gros je vais pas me mettre en couple, est-ce que tu veux ça, ou j'ai envie de me mettre en couple, est-ce que tu veux ça. La personne aussi a la possibilité de dire soit oui, soit non. Donc c'est quoi le problème en fait? Pourquoi tu vas te poser avec quelqu'un, tu vas te déranger quelqu'un pour après être infidèle envers cette personne qui ne t'a rien demandé? Like no. Ah, le logo B. Franchement, le logo B, moi je dis que ça doit revenir. Parce que les intrus là, ça enjaille de ouf. Sérieux. Et en plus, le ça vient du logo B. Donc arrêtez tous de faire semblant parce que ça, cet intrus là n'a jamais été éliminé de la bouche des gens quand on veut s'enjailler. Donc faites que le logo B revienne. Praise the logo B. Praise it. Oh my god. Le matey, S-T, c'est sucré, c'est doux, ça glisse, c'est... Ah, en plus, ça fait même pas grossir. Like, c'est doux. Donc les gens qui disent que le matey c'est dégueulasse, le matey c'est grave bon. C'est grave bon, c'est vous, êtes dégueulasse. C'est vous, votre langue, elle est bizarre. C'est vous, vous goûtez pas les choses avec vos papilles. Le matey, c'est archi bon. Arrêtez de dire que les pieds c'est moche, hein. Franchement, moi je suis désolée, je vais tout le temps chez Lily, ma prothésiste ongulaire, pour aller me faire les pieds, pour aller me faire les mains, mes pieds sont beaux. Donc arrêtez de dire que tous les pieds sont moches. Oh quoi? Nicki Minaj vs Cardi B, enlevez le VS, ce sera toujours Nicki Minaj qui va gagner. Like, she's winning. Pirette pour moi c'est un gros sorcier. Franchement, le clip Topanga, je sais pas comment on dit, Topanga, je sais pas, en Afrique on dit Topanga. Pour moi, c'est vraiment un clip de sorcier. Donc pour moi, Trépirette est un gros sorcier, satanique, tout ce que tu veux. Oh, les dessins animés, c'est plus ce que c'était. Hein. Tu regardes les dessins animés des petits, mon frère. Like, oh my god. C'est vraiment nul à... Nous, on avait des bails de Disney Channel. On avait des bails de Phénomène Raven. On avait des bails de Pounoskita. On avait des bails de... Les malheurs de Sophie. On avait les mailles de Princesse Sarah. On avait les mailles de Olivier Tom. Ils ont des mailles de quoi? Les mini justiciers ou je sais pas quoi. Fiant en fiant, Violetta. Non, je sais pas quoi. Alors que nous on avait de tout mon cœur, mon frère, de tout mon cœur. Ça a pété, c'était trop
bien. Mais ils ont des vieux dessins animés. Ça veut dire que des fois, je vais m'asseoir avec ma petite soeur pour regarder des dessins animés. Je peux même pas parce que c'est nul. Ça me fait même pas rire. Nike, c'est au-dessus de Adidas. Hein. Nike, ils sont dans le turfu. Nike, ils sont loin. Les Congolais, les gens, faut arrêter d'avoir le seum contre nous. On est les meilleurs artistes d'Afrique. Un point, un trait, c'est tout. On a Fally Ipupa, on a Kofi. Et on en a eu plein d'autres aussi qui sont morts. Je vais pas les citer tellement on est beaucoup. Mais bref, tout le monde aujourd'hui sait dire au moins un mot de Lingala. Tout le monde aujourd'hui connaît au moins un artiste congolais. Donc enfin, Shai est sous-côté. Shai est une très bonne rappeuse et elle est sous-côté. Donc c'est pas parce que Booba il la tèche de son label là qu'il faut pas la calculer. Je suis désolée, elle est sous-côté. Donc voilà, pourtant j'aime pas les rappeuses de France, mais elle, elle est particulière. Le son gilet jaune, le son gilet jaune, il pète, like, for real, il pète de ouf. Ne touche pas à mes cheveux en fait. I'm black, I know. Là j'ai des braids mais j'ai une afro. Mais ne touche pas à mes cheveux en fait. C'est un manque de respect. Moi je viens pas mettre mes mains dans ta tignasse. Donc arrête de toucher mes cheveux. Ensuite, les Renoirs, on est sous-côté. On est belle, on est fraîche. On est sous-côté. Donc commencez à ouvrir vos yeux, nettoyez vos yeux. Make-up artistes là, les soi-disant mouas d'Instagram qui sont pas capables de matcher leur carnation avec le reste de leur corps, vous n'êtes pas des make-up artistes. Je suis désolée, arrêtez de maquiller les gens, arrêtez de faire payer les gens, de mettre ça aussi sur votre Instagram pour faire des publicités et accuser l'éclairage de la pièce. J'ai ma ring light, hein. Est-ce que tu vois une démarcation là entre mon visage et mon corps? En plus, mes épaules sont dénudées, c'est-à-dire qu'on peut vraiment bien voir ça. Arrêtez ça, il faut arrêter. Murder et Power, les gens qui n'ont jamais regardé cette série-là, vraiment, vous êtes des gros extraterrestres pour moi. Vous êtes des gros sorciers, like. Comment tu peux pas regarder Murder? Comment? Et Power? Like, non. Les Coupé Boys, c'est quoi votre problème avec eux? C'est quoi votre problème avec eux? Les gens qui ont fait leur vidéo, ils ont percé. Maintenant, il est où le problème? Vous voulez pas laisser les gens tranquilles? Évoluer? Ah non! Et dire qu'ils servent à rien, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais votre problème, il est où? Ça change quoi votre vie? Tu continues de faire caca, tu continues de faire pipi, tu dois dormir, te reposer, manger. I just like the sound. Il est où ton problème? Si maintenant les gens ils font leurs ongles, c'est quoi votre problème? Votre problème, il est où? Si je veux faire mes ongles même jusqu'en Chine, laissez-moi faire mes ongles jusqu'en Chine. Et arrêtez aussi de poser des questions du style « Oh, mais comment tu fais pour te nettoyer? Comment tu fais pour te nettoyer ?» Ma cucina, elle est très très propre. Mon corps aussi, le dessous de mes ongles aussi. Je vous fais même un focus dessus. Voilà, mes ongles sont très très propres. Donc arrêtez de poser des questions. Si tu veux faire tes ongles courts, c'est ton problème. Laisse les gens avec les ongles longs. Merci, au revoir. Voilà, si c'est possible... Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé mon petit coup de gueule du dimanche. Surtout n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux, tu vois. Là j'essaye un peu de devenir une badie d'Insta, hein, pour faire des jeux concours. Donc si tu veux gagner des lots gratuits, parce que moi je rigole pas avec des trucs comme ça. Ça veut dire que si je fais des lots, tu vois, ça veut dire que ce sera quelque chose. Si tu veux pouvoir participer à mes jeux concours, fais en sorte que je devienne quelqu'un sur le YouTube game et sur le Insta game. Donc commence à me follow sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.